Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, Will, la méthode des passionnés. Pourquoi Will, c'est une méthode de passionnés? Tout simplement parce que Will, ça demande de l'entraînement. Ça demande d'être passionné par le rêve lucide pour y accéder. Ça demande un vrai entraînement. Mais, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas si difficile que ça de wilder quand on a la bonne compréhension, la bonne méthode pour la pratiquer correctement. Très souvent, je vais te donner une image très simple pour que tu comprennes. En fait, imagine que tu es sur le bord d'une rivière, d'accord? Tu es dans une clairière, ok? La clairière, on va imaginer que c'est l'état de veille, ok? Là, tu as la rivière et en face, de l'autre côté, tu as une forêt. Et ça, on va imaginer que la forêt, c'est le rêve, ok? Toi, ton but avec le wild, c'est quoi? C'est d'aller en toute lucidité jusque dans la forêt. Et toi, tu vas faire quoi la plupart du temps? Pour beaucoup de personnes, tu vas regarder la forêt intensément comme ça et tu vas espérer être projeté dans la forêt. Mais ça, c'est une grosse erreur en fait. Tu peux pas basculer dans le rêve en toute lucidité sans comprendre comment le wild fonctionne, sans comprendre comment la lucidité fonctionne, sans comprendre quelle préparation avoir pour aller dans la forêt. Et donc là, en fait, tu commences à te poser toutes ces questions. Et puis là, d'un coup, tu vois un pont. Tu vois un pont entre la clairière et la forêt. Donc qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bah, je vais prendre le pont pour traverser et pour aller jusque dans le rêve en toute lucidité. Sauf que ce pont, tu vas donc devoir le traverser en toute lucidité. Parce que si tu te mets devant le pont, et que tu fermes les yeux et tu commences à marcher, le pont, tu l'observes. Le pont, c'est deux cordes accrochées du côté de la clairière à des barrières, jusque de l'autre côté à deux arbres. Ok, c'est deux cordes comme ça qui bougent. C'est un pont suspendu qui bouge. Il y a des planches en guise de parterre cassées, pour certaines qui bougent, pour certaines où, pour certains endroits, il y a des trous. C'est un pont dangereux, en gros. Si tu fermes les yeux, tu commences à traverser le pont, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu risques de te casser la gueule dans la rivière. Ça, c'est, disons, l'équivalent de l'endormissement. Tu tentes de wilder et tu t'endors. Ce pont, c'est quoi exactement? Ce pont, c'est la phase hypnagogique. La phase hypnagogique, si tu comprends pas ce qu'est la phase hypnagogique, si tu n'explores pas ta phase hypnagogique, tu n'arriveras jamais à wilder, tout simplement. Et la phase hypnagogique, pourquoi je te dis que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de wilder? Mais tout simplement parce que la phase hypnagogique, elle est accessible à tout le monde, dès ce soir, si tu commences simplement à avoir les bons réflexes et la bonne préparation pour en prendre conscience. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Ce pont qui est la phase hypnagogique pour aller jusque dans le rêve, tu vas commencer à poser un pied sur une des planches. Et là, tu vas rester lucide, tu vas rester concentré, focalisé pour savoir où poser ton pied, pour savoir quelle planche passer, pour savoir où est-ce que tu peux marcher pour aller jusque dans la forêt, jusque dans le rêve. Et bien ça, ça demande d'explorer sa phase hypnagogique. Donc, je t'ai créé une formation qui s'appelle Will, la méthode des passionnés. Je suis très contente de te proposer cette formation parce que comme tu le sais sûrement, Will, c'est ma méthode préférée. C'est une méthode que je kiffe particulièrement parce qu'elle est fun et parce qu'elle nous permet de vivre des expériences qui sont folles. Dans cette formation, je vais te parler de cette fameuse phase hypnagogique. Je vais te donner des jeux pour t'accompagner à explorer cette phase. Plus tu auras une bonne préparation, plus tu auras la bonne méthode, plus tu auras vraiment les bonnes techniques, plus tu pourras très facilement wilder par toi-même et t'approprier la méthode. Ok, dans cette formation, on va voir pas mal de choses. Je vais te parler de ce que j'appelle le point de bascule. Le point de bascule, c'est quoi? C'est le moment, pendant ta phase hypnagogique, où tu es dans ton corps physique et dans ton corps subtil en même temps. C'est le passage clé qu'il faut passer pour basculer totalement lucide dans le rêve. On va parler de tout ça. Je vais te donner vraiment toutes les clés et des petits jeux pour explorer tout ça tranquillement. On va beaucoup parler de lucidité évidemment parce que le cœur de Will, c'est la lucidité. Je vais aussi te parler de 6 méthodes qui sont entre guillemets dérivées de Will. C'est pas qu'elles sont dérivées de Will, c'est que si je te rappelle un petit peu le truc, c'est que Will, c'est simplement un type de rêve. Le fait de garder sa lucidité en s'endormant jusque dans le rêve. Donc de là découle plein de méthodes. Moi dans cette formation, je vais te parler du will par phase hypnagogique parce que c'est celui que je connais, parce que c'est celui que j'ai le plus expérimenté, mais il y a tout un tas d'autres méthodes pour wilder. Donc je vais te parler de 6 méthodes, certaines dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, que tu vas pouvoir expérimenter par toi-même. C'est une formation qui est hyper complète. Si tu es intéressé, clique sur le lien en description. La formation, elle est à moins 40% pendant 48 heures jusqu'à samedi 23h59. Donc si tu es intéressé, tu cliques, tu auras toutes les infos
par rapport à cette formation. Surtout, tout au long de la formation, n'hésite pas à me contacter. Si tu as un quelconque problème, contacte-moi. Avec grand plaisir, j'échangerai avec toi. Si tu fais des rêves lucides, contacte-moi aussi. Maintenant, je t'invite vraiment, si que tu prennes cette formation ou pas, à t'intéresser au Wild d'une nouvelle façon. Prends en compte ce que je viens de te dire. Explore d'abord ta phase hypnagogique, c'est accessible facilement pour tout le monde dès ce soir. Explore ta phase hypnagogique. Plus tu vas connaître ce monde-là, plus tu accéderas, plus tu passeras des caps. C'est un palier. La phase hypnagogique, c'est une marche qui t'emmène vers le rêve en toute lucidité. C'est le pont qui traverse de la clairière à la forêt. Traverse-le en toute lucidité. Regarde où tu poses les pieds pour pas te casser la gueule dans la rivière. Ne reste pas sur la clairière à regarder comme un imbécile, entre guillemets, la forêt de l'autre côté. Traverse ce pont en toute lucidité. Moi, je veux t'aider à ça. C'est ce que je t'enseigne dans cette formation. Donc, vraiment, avec grand plaisir, je te retrouve de l'autre côté si t'es intéressé. Et n'hésite pas à aller visiter la page Instagram et la page Facebook. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !